N'a pas dit merci ou même qui toujours a regardé channel YouTube Ralph Condé. En même temps tout, n'a pas encouragé ou invité l'autre ami ou qui pour qu'on channel ça. Parce que channel ça, c'est un channel éducatif que lié côté qui en pile information n'a pas prendre là-dedans. Donc n'a pas invité ou partager channel là avec l'autre ami ou pour nous ka grandir famille comme ça. En pile monde ka grandir plus information ka apprendre sur channel YouTube Ralph Condé. Ou même ka regarder là qui pour qu'on subscribe sur channel ça qui pour abonner et ben moment vini pour peser petit bouton ça pour ka subscribe pour channel là pour pas rater l'an une occasion le gen gros vidéo gros instruction gros bagaille ka fait sur channel ça c'est comme ça nous ka rete branché et connecté ensemble pas oublier encore m'a invité abonner à channel là merci. Voilà, chers amis, comme on t'a annoncé, je dis à son plaisir encore pour moi, mon autre grand artiste, et l'un de Ralph Condé Show, je voulais parler de Jacques Sauveur Jean, que tout le monde connaît. Eh bien, je dis à, c'est pas Jacques Sauveur Jean, d'Acadie, politicien qu'il a, mais c'est musicien qu'il a, je dis à. Donc, on va parler avec Jacques. Jacques, avant de commencer, mon cher, ça fait un plaisir, je suis content. Et Jean nous toujours dit, nous toujours demandé, comment est Jacques? Et comment Jacques Sauveur Jean a boulé? Bonsoir, maestro. Nous saluons tous les internautes, les gens qui sont toujours branchés chez Choa, fanatiques Jacques Sauveur Jean, que moi-même, moi toujours mettais en premier dans la vie. Et son plaisir pour que je réponde à l'invitation aujourd'hui. Son honneur pour moi. Merci, Jacques. C'est un plaisir pour nous tous, pour nous parler un petit bas de bouche ensemble. Jacques, expliquez-nous début carrière ou la musique. Comment ça a commencé pour vous? Mon cher maestro, je dois dire honnêtement, à chaque fois que vous posez une question, ça me toujours répondre, je vais me répondre là. Pour un être tant qu'on qui baille musique autant de place dans la vie, depuis l'homme fait premier crime sur dans votre maman m'a fait musique. Yeah. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, je me songe ma maman là à parler avec elle, il dit bon ça l'homme des petits, il était content plaisir qui t'aime crier. Et le su que je pas grand goût et que je pas sale et puis m'a crié, il me laisse ça, maman, c'est couturialité. Et puis il dit, il a coup et puis il quitte m'a crié, comme si je me joué de mélodie, voix, petite garçon. Puis il me dit, ouais, ça, surtout aux États-Unis, on t'a pris pour Charles Abuse. Donc c'est m'explique qui j'ai que pour moi-même, the very beginning is le où sautant d'avant maman, on est qui bat autant de place à musique, c'est le ça, moi-même, m'a considéré que je commençais. Dans musique. Mais cependant, premier album, moi, m'enregistre, l'homme de 16 ans. C'est peut-être ça qui correspond à la question qu'on posait. L'homme de 16 ans, m'enregistre, premier album, moi, et c'est des musiques, tant coup, Haïti chérie, et une histoire d'amour, n'oublie jamais, je l'imagine, crier, yeah. Chanter, quitter sur album, ça, des musiques que j'ai commencé déjà à écrire depuis l'homme de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Donc, c'est dans l'ambiance comme ça que j'ai levé et qui fait que de très tôt, j'ai réalisé le premier album hein, à l'âge de 16 ans. C'est ça. Nous allons venir sur ça. Mais est-ce que tes jambes prennent des cours de chant ou bien sont tout naturel là, Kayo? Tout naturel. Je vais me laguer là comme ça, que je me sentir, comme ça le passer, comme ça le déposer. Voix sorti normal, Jean-Lia. Normal. Quand je suis mal essayé, mais ton maîtrise là, dans le fond, bagaille qui est quelconque ou après que je n'ai plus de difficultés. Ça veut dire que je chantais exactement ça qui sortit en dedans et me déposer tout. Donc, si pas qu'on est pour vérifier le volume, non, ou qu'on joue une distorsion normale. Yeah. D'accord. Mais Jacques, m'a regardé, au début de carrière, ou comme chanteur, ou tu es un chanteur de charme, ou tu es choisi pour chanter l'amour en boléro, chansonnette française. Pour qui ça a choisi ça? Mon cher, influencé par la musique française à cette époque, moi, c'était un grand fan de Michel Sardou, de la chanson française en général, mais de Michel Sardou en particulier. Donc, nous te connais, en tant que Timoun, prend le malin plaisir à écrire des chansons et pour faire cahier, chansonnette, pour poter by Timédamio. Et c'est là où fait ça que Médamio considère comme jeune intellectuel, si intellectuel qu'a vini. Ça veut dire que faut qu'on ait une belle écriture et faut qu'on compte tout, fait choix de musique que vous mettez dans le cahier et faut qu'on fait dessin tout. Ça veut dire que dans chaque page, vous avez un petit dessin que vous faites à main et c'est là ça vous parle compte combien de ménages vous avez. Donc autant de filles qu'on convaincre comme ça,
c'est autant de fois qu'on va le joindre bienvenue chez les ses amis filles qui étaient gagnés dans l'environnement. D'ailleurs, c'était l'école KMA, l'école où j'étais gagné ni petit fille ni garçon. Donc, on pas besoin de demander que les gens c'était amusant que me prend le malin plaisir à comporter dans le groupe d'ado et petit coq dans basque pour permettre que moi parler moi des amis à la, avec majorité de jeunes filles qui étaient gagnées dans l'école là. Mais par la suite, je réalisais tout que je commençais à éprouver des sentiments qui étaient très personnels, qui en dehors de musique française, fait que je commençais par écrire des petites musiques PAM. Donc là, ça encore, me présenter toujours des petits cahiers, de petits textes à mes dames, toujours très usé à faire comprendre que, écoutez, donc je suis en train d'écrire une poésie là, ou du moins une chanson, est-ce que tu peux m'aider à est-ce que tu peux m'aider à corriger ou du moins c'est stratégie et puis c'est gado ouais et c'est ménage mais tu vois et c'est à ça. Cette époque ménage c'est pas dans le fond ménage tant que moi ménage on est à nous ménage de vous t'es tant qu'un bébé petit fille ou bien ou quand il bonsoir lui répond nous ça veut dire que ou t'es doit considérer que c'est ménage ou pas le plus loin donc on était gosse on était enfant mais cependant c'était là l'idée et que je commençais par écrire des musiques, et puis au fur et à mesure, moi venais à présenter à mademoiselle, moi, à élève dans la salle, tu toujours des concours interclasses, interscolaires, côté que j'ai exposé talent, le fête des mères, le fête Saint-Valentin, le fête des pères, à chaque occasion, toujours un comité qui organisait un bail quelconque, qui fait que vous étiez en tant que jeune qui a talent dans l'école là. Comme yon vedette, yon monde que yon toujours a sollicité dans tout événement. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, c'était pour plaisir à le ça, où qu'on est la chanson haïtienne découle de la chanson française. Donc, c'était pour plaisir à écrire comme ça. C'est ça, c'est ça. J'en te dis là, et à 16 ans, on parle enregistrer le premier album qui s'écrit et chanté. Et en 1989, on parle sortir un album à succès qui c'est L'amour doudou. Faut-il parler nous de l'album ça? L'amour doudou considéré pour un pile monde comme premier album, moi, parce que c'est le ça qu'on vient qu'on aime. Et pourtant, crier chanter c'est premier hein, et c'est liquidé dans Tiwa et producteur yo et le Livin sorti un peu plus tard que le m'enregistrer. Tu as dit si m'enregistrer là, crier chanter, je crois que le Livin sorti 2 ans après et le ça et un pile monde pas de coco nani. Par la suite. Moi vinn enregistrer deuxième album qui c'est L'amour doudou et puis pendant L'amour doudou a lancé et puis c'est là sans pile mon a découvert crier chanter mais en bonne partie de public là déjà ta connait crier chanter et là on vinn réaliser que gen mon cap dire est-ce que c'est deuxième album ou bien c'est premier album ni donc L'amour doudou pour moi même c'était deuxième album moi et c'était qu'on un grand succès parce qu'à cette époque il était gagné plusieurs jeunes qui t'a chanté l'amour mais cependant qui était toujours gain du mal à accepter surnom que on te conn ba yo par exemple moi on te conn dit m'a crié pour femme donc en pile qui pas très mais yo dit ça donc yo te reculé mais moi-même moi t'ai foncé parce que j'ai trouvé le nécessaire que me chanter l'amour que me chanter la femme il y a eu à cette époque Emeline Michel avec la chanson oui l'amour c'est flamme Alan Carvé avec la chanson Henri l'amour nous a fait me voler donc t'es une génération qui t'est venue à percer à cette époque et l'amour doudou t'es pas t'es classé parmi et grand hit de l'époque, et surtout en face un phénomène zouk qui était en Haïti, Kassav, c'est seul coq chanté dans les Caraïbes. Donc il a fallu Jacques Sauvageant et cette génération pour faire face à ce phénomène d'acculturation qui était définitivement enveloppé Haïti. Donc l'existence de la musique haïtienne, franchement, t'es compté sous voix ça. Pour être capable de rester dans l'Ina, parce que sinon, zouk la tabou est nous catégoriquement et totalement. Ouais, c'est ça. Mais qui peut bien souvenir et concert ou songer ou faire avec l'album ça? Un pile bagaille. On pas raconter ça me fait avec l'album non, enfant, jeune et ça qui intéresse c'est ouais fanatiquement content donc on fait le tour du monde avec une mélodie l'amour doudou tout ça c'est l'amour doudou tout le monde a chanté et dans toute salle de spectacle Brooklyn College, Queens College et James L. Knight Center. Carnegie Hall, t'es un pile gros festival qui qu'on fait ça yo. T'es gagné un des pionniers de la chanson haïtienne avant moi qui était très fort à cette époque. Ansi de Rose, t'es gagné des grands grands musiciens haïtiens à cette époque. Donc tu es venu pas prendre temps pour classer
les a font festival dans parmi moun sa yo jusqu'à ce que yo te vinn commencer remettre main de salle de spectacle à moi seul et le sa yo tout toujours rempli donc ça me grand pile souvenir de part et d'autre de période ça. OK. Non Jacques, de crier chanter à l'amour doudou à la ou belle en passant par Haïti chérie ou bien en carrément femme volée et plusieurs tubes et ou faire qui est l'album qui plus marqué ou? Mon cher album qui plus marqué c'est crier chanter premier parce que au fond oui premier album moi parce que au fond là ça j'ai une quarantaine de musiques que m'exposer devant un producteur et puis il choisit pour le faire 8 albums. Ça veut dire que pour lui-même, il peut faire 8 albums pendant affilée et ceci, yon chaque année. C'était ça le deal. Mm-hmm. Et puis, donc, il fait choix de crier, chanter, Haïti chérie, et je l'imagine, n'oublie jamais, comme premier album. Non? Donc, il était classé L'amour doudou, de pleurs en sourire, comme deuxième album. Non? Il était classé à la ou belle. Donc, musique, ça, yo, nous avons en bonne musique, là, ça. Donc, monsieur, t'es well comme ça. Mais, là, nous faisons le premier album là, avec monsieur, donc, ça n'a pas été prendre temps pour me découvrir que. C'est un joueur qui a vu une pigou. Je viens rencontrer d'autres producteurs qui font off et qui essaient de bouger avec moi dans l'autre direction. Et puis, bouger vers l'amour doudou. De là étant encore, bouger vers à la houbelle. Et c'est là que je viens de un moment difficile parce que je viens de produire le sap pour une compagnie et qui te, que deux Africains te possédaient sur nos strands. Et Nexayo te viens d'apprendre dans la musique haïtienne. Et ça te crée un mécontentement dans le milieu. Et producteur haïtien yo parce que producteur haïtien j'ai pour plaisir à bailler artiste $2,000-$3,000 pour album et puis nèg ça a débarqué et puis là bon 50, 60, 75 000 dollars donc bah là t'es gâté dans même musique haïtien yo et puis yo dit que à partir de ce moment yo pral boycotter tout artiste qui produit pour africain hein, puisque africain lui même fait ouverture pour ouvert l'Afrique et aussi en Haïti. Donc, il y a même été seulement qu'un bon en Haïti. Donc, puisque il y a monopolisé le marché haïtien, il y a eu une superstar music machine, ça qui fait album tout pour Africain, il y a eu Skacha number one qui fait album pour Africain, il y a eu Top Vice qui fait album pour Africain. Donc, tout le monde a été dans la liste de monde que producteurs haïtiens étaient disposés, comme si Ndadou font campo sur eux pour le fait que Ndadou joue pour Africain. Donc, là, on connaît, ils ont descendu. Dans l'altitude, je descends sérieusement de côté MDE à côté Mbigné. Donc, il y a pile rumeur, pile, parce que là, il y a boycotto là, il y a fait tout le bagage, rumeur, arrêté ou Gassida, ou Kembo Adog, ou Massisi. Donc, il y a toutes, donc, bon machine qui dérape avec une machine de rumeur, un laboratoire qui a produit. Et toutes sortes de bagages et stratégie tout. Par exemple, quand j'ai un promoteur qui invite tout, qui met tout en publicité, et puis il vient pas même invite tout. Ça veut dire que les frais de où, ou vient tout un artiste qui n'est pas crédible. Parce que il met tout dans flyers, qu'on parle de tel côté, tout pour un vinyle, il vient tout artiste ça pour un bal devant Téléco. Ou du moins, artiste ça rate avion. Ou du moins, il a arrêté monsieur, et avec un kilo cocaïne. Et puis, sortant de là, tout le monde, on passe tout déjà. Monsieur Mouri, il y a que même temps dans en radio qui a annoncé la triste nouvelle de la mort de Jacques Sauveur. J'aimerais les nègres, me dit sort faire là, monsieur, dit ah, comme ça, papa. Donc par la suite, je viens continuer mal travailler avec l'autre producteur haïtien parce que je suis obligé de quitter Africain là ça. Je viens faire l'album carrément avec, je viens faire Tim Bois Sèche, album c'est où moi mais. Et puis, je viens faire après carrément, je viens faire féliciter, faire voler. Donc, je vais essayer de faire coup blanc pour permettre que je me épargne boycott là. Mais cependant, ça t'est frappé fort. Et jusqu'à ce que nous prenions temps pour nous remonter. Parce que non, ce n'est pas facile. Pas facile. C'est ça. En 2003, vous pouvez changer nom pour Jacquito et vous pouvez lancer au Lamon Compa direct là. Qui ça qui fait vous prendre ça? Mon cher, le premier bail qui motive, c'est que musiquement, yo très belle. Mais mon dit qu'on danse boléro. C'est une musique d'écoute. Ça veut dire que c'est de musique pour festival. Maintenant, dans tout le club que vous allez, vous rejoignez que meilleur titre, dans le coulant, doudou, Haïti chérie, Zumba la Zumba, Tim Timboa,
ou joindre que l'autre jazz a interprété ou a chanté. Ou ouais. Même à ce moment, ou prisonnier dont Soldat Saint-Valentin, ou prisonnier de cette fête des mères, et ouais. Grain de Saint-Valentin, tout n'est que vous êtes là, car vous pouvez jouer. Et dit nèg Boston relo, nèg Brooklyn relo, nan attend relo et on son grande date là. Donc ou vini on a qui pas cap desservi fanatique ou a chercher qui gens pour capable multiplier performance ou et aussi ça te kon déranger musicien Kavola parce que musicien Kavola, il pas arrêter attendre une grande date pour le musicien. Donc faut qu'il joue, faut qu'il gigue, faut qu'il travaille. Donc ça tout ensemble te motive à modifier répertoire. Et Jacques Sauveur Jean là en ajoutant des musiques rythmées et à cette époque me rends compte que le compas était avait une vitesse beaucoup plus rapide et puis moi même venant avec le slogan compas love parce que me réaliser que le compas love ce n'est que des chansons rythmées, ça veut dire que des histoires d'amour qu'on raconte sous et une musique qui est plus rythmée. Donc comme moi j'étais déjà des mots d'amour et des histoires d'amour à raconter, donc moi même moi ajusté avec le compas au ralenti et venir avec le compas love et de là et nous faire des albums. Il n'est pas comme même premier album que nous essayons version ça c'était avec carrément les nous t'ai rencontré loca coulé dans géo carrément. Donc yeah. Après ça venir rencontrer des producteurs antillais qui me dit comme ça écoutez donc le nom Jacques Sauveur Jean les Martiniquais ne vont pas prononcer ça aussi long. Comme ça, je me dis, ah, monsieur, la fête. Mais comme on savait m'appeler Jacquito depuis tout petit, parce que bon là, carrément, l'autre okay. Dit Jacques, il a toujours ajouté. Ouais, toujours mon petit nom. Mon petit nom, Ito. Donc, je me dis, ok. Donc, on va appeler le groupe Jacquito, mais je vais conserver mon nom, Jacques Sauveur-Jean, mais on peut dire Jacques Sauveur-Jean ou Jacquito. Et c'est ouais. Ça qui vient de faire un grand succès avec l'album L'Amoudoudou Remanié, Polo Popop, qui vient de faire un gros succès, qui perçait des portes pour moi dans les Antilles, en Afrique, et la Réunion, et aux Seychelles, en France, et puis en plus le monde vient connaître Jacquito comme nom d'artiste, et puis dans des zones bien spécifiques. Mais maintenant, l'Haïtien qui lui-même, son nation très conservateur, qui compte Jacques Sauveur-Jean, il a toujours tendance à dire Jacques Sauveur-Jean à Jacquito. Et moi-même, moi toujours dis, oh non, c'est pas ça, c'est Jacques Sauveur-Jean ou Jacquito, puisque c'est que moi-même qui ont pour les intimes Jacquito. C'est ça, c'est ça. Mais non, maintenant, Kounia Jacques, quelle différence vous fait avec l'époque où vous avez chanté en baladio et après l'on vient d'entrer dans le monde qu'on parle là, Kounia? Mon cher Mabdou, chaque main est un côté. Moi-même, moi j'ai des musiques. Leur monde dit, par exemple, baladio, moi toujours écrit et chanté une histoire d'amour. Mais c'est encore Jacques Sauveur-Jean qui te fait Haïti chérie. Haïti chérie, pas ton balade. Haïti chérie, ouais. C'est ton musique rythmée. Et l'amour doudou, pas ton balade. L'amour doudou, c'est ton type de compas. Donc, il y a en majorité des balades, mais il y a toujours eu des chansons rythmées dans mon répertoire. Donc, moi, je viens faire une expérience qui est dure parce que dans une vague de rumeurs qui bat la rue, et nègre la pose en question à où quitter Boléo pour aller jouer compas. C'est comme si je t'ai dit ou démissionner en tant que chanteur de chambre et pas l'inscrire dans l'autre école ouais. Comme musicien de compas, c'était fou. Donc c'était des rumeurs que le public a consommé, même payer ça parce que ça ralentit le mouvement mieux complètement jusqu'à ce que l'homme vienne faire un album qui était les persévérer, lutter, pas jamais lâcher, oh non, faut pas abandonner. Le ça, j'ai tiré Di qui était un grand guitariste qui était dans Jakout Music et qui t'a joué en bod et puis m'a dit tiré Di prêter une guitare là avec un groove et puis sur album ça t'a gain musique qui la reprise de Francis Cabrel Je l'aime à mourir qui est remonté côte moi et puis de là étant me fait soulager m'a pris une faire I want to be the one et puis nèg yo vinn yo me dit aussi au camion chemise moi tout quand même et puis m'aller. C'est ça. La même année, ça, en 2003, vous gagnez le prix du meilleur interprète de la troisième édition du Dynamique d'or à Paris. Faut-il parler nous de concours ça et prix ça et qui ça te représentait pour vous à l'époque? Une grande surprise pour moi parce que je même connais que tu as observé dans l'activité que m'a fait et non pour qui t'a gagné des grands chanteurs comme Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi. Et c'est une édition de remise de trophée à Paris qui était une ampleur extraordinaire pour la Caraïbe.
donc a décroché le prix Dynamite d'or interprète masculin de la Caraïbe. C'est un gros bagage. C'est comme d'adjou, l'homme rivé sous l'île, t'es vraiment ému de voir ça. Même, t'es toujours habitué avec décrocher des primes depuis Brooklyn College comme, comme meilleur vocaliste mâle. T'es toujours après, après de, une trentaine de trophées à cette époque que t'es déjà gagné dans valise moi. Donc, de plaques d'honneur, etc. Donc, ça t'es vraiment fait content de voir que tu es arrivé dans la dimension ça et une édition de Trophy Night qui était vraiment grand ampleur de grande envergure pour l'Europe et pour les Antilles. C'est ça. Qui est gros rêve vous en tant qu'artiste, Jacques? C'est de voir que m'a contribué dans l'immense dans l'expression c'est émancipation de l'humanité. C'est-à-dire que ouais que me contribuer dans aménagement de l'humanité et surtout à développement pays qui c'est Haïti, un pays que me remet à coup qui dans que me chanter dans toute langue, que essayer qu'embé vivant dans tout sens, que essayer toute bagaille pour moi, si me capable changer l'autre des choses pour le mieux. Pour ce pays. Donc, c'est de voir à mes côtés que tout le monde soit heureux, que tout le monde content, tout le monde comme d'adou. Donc, une phrase que me dit dans la musique, ça, de la Haïti chérie, qui dit dans que tout le monde qui vive là-dedans. Pour Jean Belfleur, la Montblaï, dans que tout le monde qui vive là-dedans. Donc, nous avons toujours souhaité voir en Haïti avec l'amour dans que tout le monde qui vive là-dedans. Pour tout le monde qui chante un grand refrain, l'amour à Blaï, dans que pour. Donc, c'est plus gros rêve, moi. Soit m'a planté la tête, soit m'a chanté, soit m'a parlementé, soit m'a présidé, soit m'a fait n'importe quoi, on m'a connaissé dans l'objectif de voir un changement pour le mieux pour ce peuple, la première république nègre indépendante, et pour faire pour rejoindre la phrase de Toussaint Louverture qui a parlé des racines profondes et nombreuses, le premier des noirs. Donc moi son là qui très 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 héroïque, patriotique, t'as comme d'adou, t'as rien mais ouais que race ça, comme d'adou, pour ton victoire sous le monde qui t'est considéré que nous comme des sous-hommes, donc l'humanité t'est froissée en pile par l'esclavage, donc moi t'es quoi que tout ça a motivé à travailler pour changer l'ordre des choses pour le mieux aux côtés de mes frères haïtiens. Jacques, ou pas seulement un artiste, mais aussi un entrepreneur et politicien. Ou construit une ferme agricole qui par la suite vient la ferme agricole et en demeurande. Ou c'est propriétaire de médias, radio et télévision, musique, FM 96.9 et Canal 20, qui est établi dans le grand nord de l'île de la Tortue à Wanamette. Comment tout investissement ça a jusqu'à présent marché pour vous? Mon cher, de mieux en mieux. Et il n'est pas facile pour retrouver autour de toute bagaille ça yo, en tant qu'initiateur et puis pour t'ajouter tout le monde adhérer avec rapidité et facilité dans la même direction avant. Nous avons des montées, nous avons des descentes, mais l'on a parlé d'éducation, l'on a parlé de révolution, l'on a parlé sauf les bien dit, d'endoctrinage. Il faut quand même une voix. Donc la station, la radio musique FM, c'était un grand rêve moi que m'étais établi en radio et ça déjà depuis depuis presque 20 ans, radio musique FM et HMTV by société a service dans le grand nord et sur internet à rejoindre www.radiomusiquefmhaiti.net. Nous étions accrochés à rêve ça. Nous travaillons dans l'agriculture parce que moi, je suis fils d'agriculteur. Par exemple, c'est agriculteur. Papa, grand-mère, bien entendu, papa, c'est un militaire, mais grand-père, grand-mère, c'est agriculteur, cultivateur, cultivatrice. Donc, moi, levé avec sentiment ça que de vous planter ou à récolter. Donc, moi, je suis agriculteur né. Donc, on pas besoin de demander qui gens que je remets et mouvement que m'a fait au niveau de la ferme agricole de Mérande. Donc, nous lançons dans la production nationale. Nous croyons qu'un pays n'est pas capable de développer sans l'industrie. Donc, l'industrie agricole
spécialement cette filière rizicole, nous pas qu'un pays que tout le monde net mange du riz et puis le fini nous était n'a pas acheté du riz dehors, donc du riz jacquito a vinn que comme d'adou dit m'a metté tout dans moi, m'a investi tout ça que mié pour permettre que nous fait que le monde connaît que gon du riz haïtien et que si le monde qui voulait à suivre, mais cependant nous-mêmes nous mettait tout ça nouillé sous paquet pour permettre que nous voulait à tout prix que nation comprendre que production nationale d'abord. Donc c'est dans l'optique ça que moi lancé dans genre de travail ça avec un pile de dévouement. C'est pas facile, c'est débarrasser au poids baby city, c'est au seul qui pour travailler ou pas joindre un pile monde qui comprendre d'avance ça dit. Donc c'est juste au fin prouver ça dit que ah c'est ce qu'il voulait faire, c'est ça le t'a fait, bon bravo. Mais cependant ou en tant que entrepreneur ou toujours retrouve au seul avec ce rêve. Et c'est là même tout que je viens de décrocher le prix de Digicel Entrepreneur de l'année 2012. Le ça, pas connais que j'ai gardé non plus. Pas connais que effort que m'a fait au Digicel t'as observé et pour la région du Grand Nord, là j'ai choisi monde qui déploie plus d'efforts dans ce domaine innovatrice innovateur qui c'est l'agriculture et puis c'était moi qui t'ai décroché prix Digicel Entrepreneur de l'année 2012 avec Digicel dans une série de soirées de compensation que l'on a organisé ou du moins ce que l'on a toujours organisé pour capable motiver entrepreneurs haïtiens à continuer le travail. OK. Politique et musique, qui a soupiré? Mon cher, deux sciences similaires à mon humble avis parce que y a toutes deux définies comme ça, se mettre au service des autres. Non français qui est plus simple. Quel que soit genre ou défini politique là, quel que soit genre ou défini musique là, l'homme musicien, tout rêve c'est de voir monde qui devant en content et à chanter. L'homme en politique, tout c'est de voir que monde qui devant en content et satisfait de performance en tant que politicien parce que c'est toujours la mission qu'on vient accomplir, c'est toujours voyer accomplir en mission. Donc ces deux sciences ça me paraît franchement similaire. Mais sauf que politique, on tient plus amer. Politique très amer parce que, pas qu'à bon menti, politique, il y a l'autre aspect et puis, il y a un facteur de pouvoir qui fait que, comme c'est un dadou, et de privilèges qui fait que il y a des gens qui, comme un dadou, pas ta chambre utile tête, en rien, si on pas de chance. Et j'ai un poste politique, là, ça y a accouché à lui, il était mettre ses mamans, il a tout, il a qu'aimé pour ça. Il était mettre ses mamans, il a joint pour ça. Donc, politique vient très amère, ça vient faire qu'il faut très prudent, parce que vous êtes capable de faire toute valeur qu'on gagne dans la vie, et puis on est collé seulement sur la politique, et pour venir tout un élément indésirable. Donc, je pas fin, après l'expérience que je fais, je viens faire différence, que même si dans la tête, c'est deux sciences similaires, mais il y a des gens par eux différents pour vivre et forme de bien que vraiment pas ouais les mêmes gens encore parce que négro est à terre. Yeah. Définitivement. Mais Jacques, en tant qu'artiste et sénateur, qui bataille nous mène déjà dans le Parlement pour protéger artistes avec business music là? Mon cher Mabdou Zakri, c'est pas les lois qui manquent. Moi-même, j'ai participé dans l'élaboration d'une loi que Gracia Del va te présenter sur la musique haïtienne depuis le député jusqu'à ce que le sénateur nous songeait que y ait un gros débat dans le Parlement pour élaborer la loi. Ça a pile participation, j'étais présent et je fais des recherches tout en dedans dans les annales dans le répertoire de légal. Et pays d'Haïti pour voir que ce n'est pas les lois qui manquent, mais c'est plutôt le respect des lois. Moi-même, j'ai une mission qui est tout à fait différente. Je me suis dit que je vais rentrer dans le Parlement. Mais le premier bagage que je me suis fait comme expérience, c'est que je vais aborder en question de pays avec amour et le respect de Dieu. Et puis, moi, tout le monde court avec. Première séance en Assemblée nationale que je vais participer. Et puis, je vais faire référence à des mots qui étaient dans Haïti chérie puisque je suis qui je suis. Donc moi aborder tout ça m'a fait comme je suis. Ouais. Et puis le mal dit négro
mal parler nèg de bon Dieu et d'amour pour poser problème haïtien et tout le monde courir m'est obligé replier rentrer dans calme et à retourner chita et commencer comprendre que comment on peut dire mon non pouvoir qui aussi fort un pouvoir d'assemblée ou du choc des idées et c'est là pour la lumière jaillit où il y a tellement de monde pour faire changer de position pour prendre direction et puis il ignore complètement l'existence de Dieu et de l'amour. Donc ça a été vraiment en pile inquiétude et fait tout le temps en parlement à mener en bataille mais comme ma mission au parlement n'était pas une mission de légiférer seulement au profit des artistes en tant qu'artiste ma mission je vais te l'avouer je vais te faire un aveu à partir de la question que tu m'as posée moi depuis maintenant politique m'a suivi de très près que t'es un problème en Haïti un gros problème de corruption et puis personne ne va jamais énoncer personne ne va jamais pointer du doigt ou du moins les gens en parlaient mais tout bas donc on y a là moi-même comme jeune qui était aux abords de pouvoir constater qu'il fausse corruption et gagne dans le système non me dit moi le sénateur et moi le fait nation et le monde entier ouais qui ça fait Haïti pas à développer et qui dit qu'il fait là moi entrer dans le parlement et moi entreprendre toute démarche qui était gain pour entrepreneur aux côtés de certains collègues bien entendu pas j'ai oublié collègue Louis la torture nous initier et la commission éthique et anticorruption au parlement il a fallu même amender les règlements intérieurs du Sénat pour initier cette commission qui était venu faire premier rapport sur Petro-Caribé et puis par la suite regardez-moi toute nation a marqué devant l'estomac le côté comme Petro-Caribé regardez-moi le monde entier a posé question me dit voilà on était même fait carnaval tout pour faire motivation dans l'opinion. Maman, t'es pas allé au log, l'argent de l'État, non, mais on ne sait pas marcher à jouer dans le casino. L'argent de l'État, c'est pas l'argent, maman. Parce que même pendant un temps parlement, on a fait et on travaille, faut qu'on fasse tout dans l'opinion pour permettre que la nation devine. Ouais, que ce n'est pas seulement musique qui est victime de état d'avancement pays dans la corruption, mais aussi la nation tout entière. Donc maintenant, il faut croire que là, ça a fini fait et ça n'a pas arrêté là. Parce que l'homme continue dans des marches, mais et sénateur m'a voyagé, m'a rencontré de grandes personnalités à l'extérieur, m'a posé le problème de la corruption pour me dire écoutez, donc il faut une solution à ce problème. Regarde-moi ça, tous les Haïtiens, tout le monde se pose la question comment cela se fait que même le président, à un certain moment, a un discours, bien entendu, monsieur Findi Barala, il va là, on dirait tout le monde garotte dans les lits. Et il y a cinq gros problèmes de corruption, comme je me dis très bien. Et puis mon ami était là dans le carnaval, mon lieu content le fâché. Et puis me dit ah bon, mais ben voilà sérieux. Mais maintenant, une fois posé le problème de la corruption, il faut croire que on cherche le développement. Une fois qu'on a traversé la corruption, qui est la principale barrière vers le développement, ou bien pour traverser, il y en a un cafou qui est fragile encore. Que je dis, ouais, nous pas qu'à traverser, que nous pas qu'à traverser, qui fait Haïti Koto, elle est aujourd'hui à là. En question de violence, en question de gang, en question de Jean-Ouel Baila et à là, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est parce que nous venons pour nous traverser en carrefour qu'on y a créé l'impunité. Tu vois, l'impunité, c'est quand on t'a dit, c'est Negou Kembe qui a fait voilà, et pour dire oui, même si, il dit oui, mais c'est moi-même, mais soit fax ça. Wow. Les gens ont un problème. Parce que, yo dit que qu'est-ce l'État par un cob, yo dit que par un cob pour Atis, yo dit par un cob pour tout l'argent détourné à l'autre bagaille. Société n'a pas qu'à respirer, pas qu'à gagner route, pas qu'à gagner santé, droit d'auteur pas respecté, pas qu'à rien qui normal. Et puis, moun qui prend tout l'argent, yo dit ou men yo. Et puis, ou dit, ok, mais men yo, ça n'a fait. Ça veut dire que, qu'on y a là, ou est moun nan dit oui, c'est moi-même, oui, soit faire ça. Et puis, ou rend nous compte que impunité, capable yon nan deuxième obstacle pour traverser avant qu'on ka joigne le développement normal pour tout le monde, ni artiste, ni peuple pour le joindre de quoi vivre. Donc j'ai mené une bataille assez profonde au niveau du Parlement pour être capable d'arriver mener Haïti sous piste que nous y là, qui peut être très dur pour nous, mais c'est une obligation qu'on traverse, parce que sans pas traverser carrefour corruption avec impunité, ou pas jamais joindre développement, ni au profit des artistes, ni au profit de la société, ni au profit des petits, ni au profit des grands, ni au profit des vieillards, au profit de personne.
Donc, question là, c'est une belle question, mais il y a une réponse bien élaborée pour permettre que on comprenne plus ou moins quelle a été ma mission au Parlement et quel genre de travail que j'ai réalisé jusqu'à ce que madame te prenne fin. Mais sous même ordre de ça, et Jacques, qui est le plus gros obstacle que tu as dit côté joindre l'autre défendre l'artiste dans le Parlement? C'est le fait que même les artistes, au Parlement, il n'y a pas eu que Gracia Delva, moi-même, il y a eu aussi Don Gato. Même l'artiste, c'est une sensibilité. L'artiste n'est pas une personne. Ça veut dire que même les gens qui aiment les artistes ne se soucient pas. Ils n'ont pas fait souci pour qu'un artiste, ni pour sensibilité, ni pour. Ça veut dire qu'au Parlement, c'est la loi du nombre. Donc, pour que ou capable de faire passer une idée, il faut trouver d'autres personnes. Et la loi du nombre qui vient imposer une majorité, l'autre a une idée pour capable de faire passer, donc, comme tu as dit, des bagages. Je ne sais pas où ça privé. Nous avons fait une expérience. Pendant que je préside dans la commission culture dans le Parlement, et puis je joins Yoneg qui sont pasteurs, qui pourraient l'organiser, et un pasteur sénateur, qui pourraient l'organiser dans mon dos, et y ont cérémonie en d'un parlement bagaille musical, sans même adresser la parole, ni demander qui ça me pensait, ni ça moi. Et j'étais président de la commission culture. Là, je fais ça, me lever, me voir, et puis me dit, monsieur, non, c'est pas possible. Il faut un peu, bon, on va pas jouer en majorité pour aider me faire revendication. Non, donc, je suis obligé de couper, puisque j'étais seul à revendiquer ça, cette position. Donc, la loi du nombre au niveau du Parlement, c'est un travail qui t'a aidé que la société a joindre une solution à l'épanouissement des artistes. Mais ferme confiance. C'est un peuple très émotionnel que nous avons là-dedans. Son peuple, côté que sa culture vaut en pile. C'est l'âme de ce peuple, le peuple haïtien. Et nous pas en pile comme ça, parce que passant par les rythmes, le vaudou, la religion, la foi, ou car ouais, que le phénomène haïtien gagne une grande partie de culture là, pour adresser la donne, leur poser problème. Yo. Eh bien, mon cher, il n'est pas facile que je joigne des collègues qui adhéraient à même volonté de changer ça. Et il y a eu même président musicien. Donc, ça veut dire que, ou t'as qu'à imaginer, c'était pas très facile, mais où on est que musicien, il est très bizarre, et là, le fin encore, et mon public, la société, il est artiste, ou du moins, si ça a changé, c'est qu'on y a là, changé. Il est toujours un artiste, comme si Simdadou, d'ailleurs, il était une réputation. Ma première instruction civique depuis tout petit, et puis moi, il y a une page, on est présenté à une guitare, et puis en bas, ça, à chercher le bien parce que c'est gros guitariste ou à l'institution civique là après ça Abdoulah qui j'en c'est étonnant et puis il écrit en bas page là moi c'est musicien c'est comme d'adou même si ça pas rapporté même remène non l'institution civique ce petit livre qui enseigne à l'enfant ce qu'il doit savoir pour mieux servir son pays. Donc si on enseigne à l'enfant que la musique n'est pas rentable depuis dans l'instruction civique, on n'a pas besoin de l'arrivée dans le Parlement qui j'en ai eu tripot. Sans pire bagaille pour prouver, écoutez, donc, monsieur, c'est faux. Ouais. Et la preuve, jusqu'à présent, en Haïti, leur musicien, ou dans Etienne Maëla, qui réussit apparemment, yo, c'est des nègres qui a donné à d'autres travail. Ça veut dire que, ouais, que c'est, ou bien nègres qui ont un gros parrain. On est qui booste li, ou bien que lance dans le commerce, ou bien dans l'industrie, ou bien dans l'entrepreneuriat. Mais il a toujours voulu faire comprendre depuis dans l'instruction civique que musique, ou du moins la culture, ce n'est pas quelque chose qui est rentable. Or, en regardant ça, Hollywood représenté pour les États-Unis, comment faire nous pas gagner avec autant de talent en Haïti, il y a Hollywood haïtien. Malgré que nous avons des Haïtiens qui percent Hollywood, et puis nous avons salié, et nous avons pas regardez, nous toujours dit ça. Moi, des artistes haïtiens, c'est pas des artistes haïtiens, c'est des artistes américains d'origine haïtienne. Il faut faire la différence. C'est ça. Être un grand artiste haïtien, c'est différent. Ouais. On peut être un artiste international d'origine haïtienne. Donc, moi, des artistes américains, des grands artistes américains d'origine haïtienne qui pas qu'à venir planter Hollywood en Haïti. qui n'a pas la formule, malgré qui n'ont pas la formule, malgré que ils jouent de lui
aux États-Unis et puis il se comporte en grande star américain, mais c'est pas, d'ailleurs, il va même pas les créoles. Peut-être ça m'a bien son blague moins fait, oui, mais c'est Wycliffe. Mais il faut ranger l'engagement pour parler que ce gars-là. Mon cher, peut-être faire un bel rallye, justement, avant-hier, là, un an chez vous. Est-ce que vraiment, un artiste qui a vécu de musique haïtienne, bien dit, de faire un bel rallye. En plus, le monde a un sujet ça, ou soit font un rallye sur ça tout. Donc, définitivement, non, il n'est pas facile, parce que l'enseignement, il y a un CEO, il y a en tant que ni fanatique. Bon, je dis ça, c'est tellement grave que vous devez jouer un monde qui est en tant qu'artiste et puis il y a un dos ça. C'est le, au compte qu'il a eu commencé vraiment à courir sur artiste, faire artiste, à faire ça. C'est le Wycliffe débarqué en Haïti en tant que jeune haïtien, la ploie tête avec drapeau haïtien, donc haïtien vient commencer à sentir fier, etc. Et puis qu'on y a Mdadou, le monsieur débarqué, et puis qu'on y a tout le monde vient dire ok, on pas besoin peur ni honte à dire monsieur qu'il est bien et qu'on l'aime. Mais avant ça, où t'es qu'on gagne mon bon, moi m'étais qu'on a joué des spectacles même jeune mon compère, et puis moi ouais nèg gap vide coup de poing son fille parce que fille a pas de bravo, fille a dit ouais j'ai tout, et puis nèg qui kiff me dit oh ça passe là, ça veut dire que lui parle, il dit waouh, fais mon pour s'emparer. Et il me dit oh oh, ça veut dire il a pas même accepté à un certain moment que un monde apprécie à sa juste valeur l'existence d'un artiste. Donc c'est comme Dadou, il dans l'instruction civique, il dans le citoyen haïtien que la musique ne rapporte pas et qu'il faut faire autre chose. Si un jour Jacques est arrivé président d'Haïti, qu'est-ce qui est ta priorité? Priorité, c'est d'avoir une mauvaise constitution pays et puis exécuter à la lettre tout ça. C'est un plus gros problème pays d'Haïti. Parce que ce n'est pas un monde qui manquait. Un monde pas suffit pour avoir un pays directif. La constitution est la loi fondamentale de la nation. Quel que soit étranger, ambassade, là, ou quel que soit un monde qui t'a venu à demander, que le haïtien, que le étranger, qui t'a venu à demander pour me faire des choses pour lui. Ou bien pour me faire bagaille, dès pour qu'abandonne mon référence constitutionnelle tout de suite me fait. Si constitution dit pendant ma prête serment pour me péter dégrenger en tant que président ma fait. Donc ça va le permettre que quel que soit mon nom, si pas respecter constitution ou pas de diriger pays. Et voilà que chaque président que m'a tendé en Haïti, nous toujours tendons une grande phrase dans bouche. Constitution c'est problème qui fait au bagage diriger comme tu décider. Et vous prenez pile, vous prenez pile de détermination pour ne pas respecter la Constitution et inviter aussi d'autres citoyens à ne pas respecter la Constitution. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous vivez dans la dimension ça, en tant que chef d'État, et puis pour enseigner la nation à ne pas respecter les lois de son pays, la loi fondamentale de son pays qui est la Constitution. Donc, c'est un grand échec, moins un gros défaite. Je pense que, et quelle que soit la constitution, en même temps, des négos apprécient changer la constitution, et a dit ça, date, et écrit. Je me dis un petit bagaille, c'est pas changer la constitution, et puis, la constitution pour changer ça, c'est gros causé, oui, c'est pas un bagaille pour lever comme ça, pour changer tant qu'on pantalon que tu es sous, ou passer dans la boule, ça, pour changer, lever dans l'autre pantalon, non. C'est bagaille qui ramasse tout dans le pays, toute catégorie, toute dimension, et même les étrangers. Parce que la Constitution doit aussi protéger les étrangers. La Constitution doit limiter les étrangers. La Constitution doit limiter aussi. C'est quand on a dit liberté pour la commencer côté par n'en finir. C'est ça la loi mère du pays. Oui. Et puis moi, il y a monté sous les coups, c'est cheval à grand-papa, il y a été quitté pour eux, il y a changé. Ou du moins, il y a changé parce qu'il y a capable. Depuis Blanc dit changer, il y a changé. Mais il y a changé. Mais c'est pour le malheur du pays, parce que ça qui peut le faire, là, peut créer un pile problème. Il a changé, je te dis ça. C'est ça, Jacques. Est-ce que vous avez des prochains albums et quoi préparer pour Kounia? Évidemment, avec la sortie de ces trois musiques, Bon Côté, Mentalité, son musique que m'invite en pile, mon altendé. Vous avez sur Chanel YouTube, moi, Jacquito Vibe.
yo gen droit sur page Instagram moi Jacques Sauveur Jean official, yo gen droit sur page Facebook moi, yo gen droit sur page, yo gen droit suivre moi sur Twitter. Il y a pour que mentalité et mentalité son musique comme d'adou qui adresser tout problème ou on a parlé là Ralph. Son résumé de toute expérience mais ouais toute interview nous autres faire là en pile mon abdi kept il n'y a pas long bonne bagaille ou gen droit aller ou après comme si concis toute idée que n'a parlé là en dans musique et les mentalités qui rédigé en 4 minutes et quelques secondes qui adresse son problème au soi-disant chef de la nation. Et j'ai bien dit hein, le mot est clair, au président soi-disant chef de la nation, à l'opposition sans conviction, au petit-fils des vieux colons. Quand je parle de petit-fils des vieux colons, je parle de la communauté internationale, puisque ce sont les petits-fils de Napoléon Bonaparte qui sont encore en France, ce sont les petits-fils de Franklin Delano Roosevelt qui sont encore aux États-Unis, ce sont les petits-fils de tous ceux qui nous ont réduits en esclavage, qui t'ont fait nous comprendre que nous sommes des sous-hommes qui représentaient au sein du corps groupe. Ça veut dire que aux petits-fils des vieux colons qui vendent nous, qui vendent nos insécurités au nom de la diplomatie, qu'est-ce qui ne pas changer mentalité, ça, ça n'a pas fini, nous pas le faire encore des années, des siècles à discuter, à goumer et génération après génération à passer. Sinon, pas changer mentalité, ça, on pas un changement, ça. Donc, musique, ça, m'invite tout le monde à attendre, à regarder. Moi, invite mon à attendre des bons côtés, qui sont musique qui est extrêmement bien à mon humble avis, qui ont une petite phrase à donner qui fait pile monde fâché avec moi, qui dit que on monte approche toi pornographique la donne puisque me dit en dedans moi sentiment jam moi sentiment fort. Je dois leur dire que dans le sens propre ou dans le sens figuré, quel que soit Jean Dylan, fais-moi confiance, c'est pas mauvais parce qu'on peut se retrouver à l'intérieur de quelqu'un dans sa vie donc se retrouver à l'intérieur de quelqu'un, c'est se retrouver aussi dans sa vie. C'est pas seulement l'aspect physique que tu dois avoir, comme dit Dadou, comme dit la vite au bon monde, mais écoutez donc Jacques Sauveur Jean, ou t'es qu'à plus soft en disant, mais il faut écouter la chanson pour faire le jugement nous-mêmes. Et le drame, c'est infidélité. Un titre comme infidélité, côté que en pile mon a vivre une hypocrisie dans le monde. 90-95% mon a vivre hypocrisie ça. Il y a confondre sincérité avec infidélité. C'est quand est-ce qu'on est sincère et quand est-ce qu'on est infidèle. Donc la question se pose, c'est quoi la fidélité? C'est quoi la sincérité? On peut être fidèle à un engagement. Allons voir ça clair, maestro, ou même ses compositeurs, ou qu'on décortique, ou qu'on décompose, ou qu'on compose. Comment est-ce qu'on peut être fidèle? On est fidèle à un engagement. Donc, la fidélité ou la fidélité, c'est l'affaire des principes, des règles. N'est-ce pas vrai? Ouais. Maintenant, la sincérité. La sincérité est toujours au présent, là où l'action se passe. Je suis en train de poser une action avec un monde que me remet, que me file. Que, écoutez donc, ni moi ni mon nom, nous plongeons dans l'ambiance côté que nous rentrons dans faire l'amour sans l'amour pas au courant. C'est pour te dire que l'amour est bébé, l'amour est aveugle, l'amour ne voit même pas. Ça veut dire que l'amour, il vient dans une situation, il n'est pas même au courant, et bien on retrouve, ou pas même dit un rien. Parce que, ordinairement, c'est pour te dire, non, je t'aime, j'ai envie d'eux, je vais faire ça. Et puis, non, on se retrouve dans une situation quand nous faisons l'amour, et maintenant, tu me parles d'infidélité. Donc, cela veut dire qu'il faut croire qu'on doit être sincère d'abord envers soi-même. Ça veut dire que si mon maman m'a posé action, moi je fais action. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Jacques, je n'aime pas d'accord avant parce que la personne, les deux, et c'est pour ça que ça me fait développement en texte comme ça, puisque c'est deux personnes qui rentrent dans la conjugaison d'amour, et puis il y a une qui était madame de la Cali, l'autre qui était Marie de la Cali. Ça veut dire que c'est deux couples. Donc, on me pose des questions, sont tels événements, sont tels pistes, ça crée un pile problème. Donc, il faut écouter la musique pour comprendre que cette différence entre la fidélité et la sincérité est de mise parce que l'infidélité, c'est l'affaire des principes, à point que quelqu'un doit marier et pour ne pas respecter les règles, je vais être là tellement on vient de divorcer. Mais la sincérité est au présent ou l'action que vous posez à là, ou joignez avec tout battement cœur et ceci réciproquement entre vous-même et moi, pose action, ça ne peut pas être infidélité, ça doit être la sincérité. Maintenant, c'est du café au lait
tout le monde sait ce que ça veut dire. Ces gens de mélange homogène qui mettent dans une situation où pas besoin de jouer une tasse café noir encore, ou pas besoin de jouer une tasse lait blanc encore, une fois décidé de mettre tous deux ensemble. Donc, pas besoin de café à lait, mais dans la nutrition, c'est acceptable. C'est donc, c'est ça. Bon, mais même, après, vite, comme je l'en musique, ça, que Jacques a parlé, yo. Là, moi, personnellement, moi, je vais sur vous. Et même, je m'avais invité grand public, là, et justement, et à découvrir la musique, ça, Jean-Jacques dit, et Jacques Sauvé, Jean-Jacques Sauvé, là, et nous, quand je joue la musique, ça, et online, aller justement supporter. Jacques Ito Vibe. Ouais. Jacques Ito Vibe, et puis supporter page YouTube Artiste Lato, que c'est pas joie, c'est qui ça que lié, Jacques Ito. Jacques Ito Vibe, J-A-C-K-I-T-O-V-I-B-E. Oh. Okay. Dans YouTube, ok. Donc c'est ça, nous toujours demander que les artistes fassent des travaux. Nous-mêmes, nous c'est le premier monde qui peut supporter. Mais nous-mêmes, nous demander, nous supporter parce que ce sont très belles projets. Parce que moi, je joue deux ou trois musiques déjà et me cadre que musique très superbe, qui a l'autre vibes, qui est un pile bon son. Moi, mes textes surtout, Jacquito. Merci. Et surtout l'autre musique et au grand petit musique love là, mon cher. Et je crois qu'en vidéo après le Paris Soon, parce que moi, t'as plagé un petit preview. Ça, c'est un favori de moi. Je pense que ça va le faire un gros tube, parce qu'il y a une belle mélodie là dans la musique. Ça. Oui, Maestro, je te dis franchement, mon album avec 10 titres, donc 9 inédits, parce que Carnaval la soli tout. Il y a une plus belle que l'autre. À point que m'oblige à présenter en deux temps, premier mi-temps, avec un nombre de 5 à 6 musiques, et, parce que ça joue aussi. On ne fait plus la promotion d'un disque comme par le passé, c'est un CD, dadada. Donc on fait on peut faire la promotion des titres par un après l'autre en single et puis c'est comme si on est cap marié enfin. C'est plus le mariage, c'est plus se marier d'abord avant de vivre, c'est vivre d'abord et puis se marier ensuite. Business a changé complètement avec cette histoire de internet, download et tout ça. Ouais. Et même quoi que quand même Jacques Tom pense que un album était un album quand même. Oui, c'est la raison pour laquelle comme dit, il faut enfin présenter l'album puisque une fois qu'on finit compiler tout titio. Donc il faut maintenant mettre l'album dans l'ensemble et puis dire mon écoutez donc c'est le paquet. Ouais. Mais en faisant la promotion un après l'autre il n'est pas nécessaire qu'on court la 12 musiques et puis tout le monde. Et surtout pour un temps qui n'a pas de problème de musique. Donc, il y a près de 30 albums dans ma chère. Et il y a hit après hit. Donc, si mal joue un concert, je suis obligé de jouer tout album et 9 ans. Donc, je peux jouer l'amour doudou, je peux jouer à la houbelle, je peux jouer crier chanter, je peux jouer je l'aime à mourir jusqu'à ce que je joue infidélité, jusqu'à ce que je joue bon côté. Donc, promotion, j'en l'ai fait là, il y en a pris l'autre. Ça m'a dit que quand même, nous allons présenter l'album, non, mais c'est dans les jours à venir. Mais nous connaissons que malgré un COVID et bon, et situation COVID-19, là, que tout le monde a vécu là, à côté que qui est censé affecter le business là, quand même, mais est-ce que nous avons gain chance quand même, ouais, on Jacquito sur scène qui a performé l'album ça? Ah oui, nous-mêmes, le coronavirus, ça, pour nous-mêmes, Haïtiens, c'est comme si nous avons toujours des entrées. Il n'y a pas existé en Haïti, alors. Nous faisons carnaval, nous comprenons après le carnaval, tout le monde va le mourir, moi, je connais à mon avis. Voilà, c'est ton plaisir pour nous avoir Jacques Sauvé-Jean avec nous, un confrère, un musicien par moi. Et nous sommes temps de Jacques parler là, en pile, bagaille. Et m'a demandé encore de supporter le dernier projet, Jacques, là, parce que même personnellement, moi suggérer nous et son recommandation m'a fait nous parce que album ça très 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 bon Jacques comme ni sont dit ligan même très album sur marché mais ça ils sont bail spécial parce que m'a demandé nous spécialement et tout le monde qui dans de Ralph Condé show à supporter album ça très très bon bagaille Jacques avant de finir par contre sous bon dernier mot et forme tout bien avant même que vous posez question hein? Ça que te fait plus grand honneur, c'est de voir que vous participez dans la réalisation de l'album. Ça. Là, on attend des musiques que moi-même avec Chedly, c'était producteur principal album là, à côté de moi-même, puisque c'est là qu'allait le poste de travail a été établi chez Chedly Abraham. Donc, je remercie Chedly pour ce travail gigantesque qu'il a réalisé. Et
et puis Chad lui dit, ouais, musique ça, c'est Ralph pour jouer. Il dit, ah bon? Donc, on a dit, c'est monsieur qui fait dispatching, là, il dit, ouais, musique ça, un tel qui pour jouer. Ouais, musique ça, c'est Nixon, mais il doit pour jouer, pas ça. Ouais, musique ça, c'est un tel qui pour jouer. Là, monsieur fin fait dispatching, là, moi, je vais mon liste de grands musiciens, il dit, bien, ok, donc, nous allons frapper pour toi, et puis, nous prenons le téléphone, moi, on va y aller. Et puis, nous essayer de joindre le maximum qui fait de l'album ça, et qui est la crème de la crème, participer là-dedans. Donc, il n'y a pas besoin de demander qui gens que pour nous faire des résultats. Bon, bye. Si on va contre sur mon dernier mot, et Jacques, on va pas ajouter avant de finir. La parole, c'est l'expression du cœur. En plus, le monde toujours aime le m'a parlé, parce qu'au fond, même samedi, on ne va pas dire plus que samedi. On ne va pas dire plus que ça me sentit. Même qu'on est quand même des monde qui ca froissé ou du moins des monde tout qui ca content. Donc sauf froissé déjà 12 heures mais sauf content bien content parce qu'au fond le moment est venu de dire la vérité au peuple haïtien, le moment est venu de vivre la vérité pour le bon Dieu, pour l'amour de Dieu. Il faut croire en la vérité. Donc en nous remettre en l'autre, en nous continuer supporter en l'autre afin que nous joignent bénédiction grand maître là pour nous continuer vivre et contempler magnificence, remet et me référer sous phrase ça que Jésus-Christ a prononcé avant son départ pour l'éternité. Papa, pardonnez-le, par contre, ça a fait, parce que si l'homme dit qu'on ça a fait, je vous dis, là, c'est pas ça que tu as fait. Donc, le pardon, c'est un carrefour obligé vers n'importe quelle destination, et ce n'est que par excès d'amour qu'on peut pardonner. Donc, je vous aime tellement, je vous aime tous, et je vous demande de faire de même. Donc, merci Maestro pour l'opportunité que vous avez pour me présenter avec mon yo dans Ralph Condé Show, on va avec me souhaité depuis si longtemps. Donc, finalement réalisé. Voilà. Donc, un bon coup de toi. Merci. Chambered, pas moulé. En forme, Jacques, c'était avec nous. Jacques Sauveur-Jean. Retez-vous chez Napotipose, Naptoné, tout à l'heure. Stay tuned.